vidéo. Ouais. Monsieur Delphare, bonjour. Bonjour. Alors, on est à la Gate 7. We are at the Gate 7, ouais. Yeah. Ready to... Go to Trapani. Yes, yes. C'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà, 5h45. C'est ça. Vraiment chill, quoi. L'heure des On a bras. Passé tous les contrôles, suppos dans le cul, tout ça, on est bon là. Oh mon Dieu, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas. Bah, ce ouais, sera ouais. Pour les plus de 18 ans, désolé. Ouais, je cocherai sur YouTube, cette vidéo n'est pas prévue pour les enfants. C'est ça. Voilà. Ouais, ça va. Bon. Allez, toi, qu'est-ce que t'en dis? Bah... Ah, qu'est-ce qu'il dit là derrière la caméra? Il ne dit rien. Attends, attends. Ah, monsieur Delphin. Ça tourne. Ça va, ouais. Et on ne met pas son masque? Bah, là, ça va, on est assis. C'est comme si on était au resto. Bah oui, c'est ça. Oh, ça va, on est tous vaccinés. Enfin, on est tous censés avoir présenté un test. Où, enfin, tout le monde a sa petite application bien en règle oui, ici. Oui, oui. Hein, de toute façon, t'as l'air en pleine santé, Thomas. Exactement. T'es un Spondy Warrior. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la... Ah, t'as vu, je t'envoie les perches. Ouais, ouais. T'es un Spondy Warrior. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu as pris tes compléments? Est-ce que tu vas continuer à te complémenter en vacances et tout? Tout à fait. Moi, je n'arrête pas. Bon, je prends pas tout. Hein, faut pas exagérer, je prends une bataille avec okay. Tous mes compléments non plus. Ouais. Mais ouais, je continue et surtout la base. La base, c'est quoi la base? On fera des belles petites vidéos, on montrera un petit peu ce qu'on mangera aussi. Ah, bah bien sûr. Ouais, parce que tu manges Seignalais aussi. Surtout c'est Méditerranée, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà. Quelle heure il est là? Tout à fait, on va manger les frutti di mare. Ah ouais. 5h50. Aéroport de Charleroi. Voilà. Porte d'embarcation, les gens commencent déjà à embarquer. Porte 7, ouais, les gens sont chauds. Ouais, bon, les gens sont chauds, ils font déjà la file. Voilà. Nous, on s'en fout, on est prioritaire. Mais voilà, ouais, c'est ça. On est prioritaire. Bah ouais, Thomas est un grand youtubeur, donc on a le droit de passer. C'est ça. Voilà. On connaît du monde. On est prioritaire. Ouais. Ouais, c'est en bon. Fait, le pilote est un Spondy, donc voilà. Hâte, on a pu rentrer. Hâte de déjà être là-bas. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Allez. Allez, ouais. À bientôt, à plus. On se voit à la magie de la caméra, on se voit dans les meilleurs moments. Alors, les petites impressions sur l'arrivée. Ben, on est arrivé à Trapani. Il fait doux là. Fait très doux, hein. Ouais. Nouvelles odeurs. Et particularité, nouveau contrôle. Ça c'est tout nouveau, ça. Je ne sais pas ce qui se passe. J'imagine que c'est le Covid. Mais. C'est fini, l'espace Schengen. C'est terminé, l'espace Schengen. C'est terminé, les gars. Il n'y a plus d'Europe. Voilà la bête pour la semaine. Je sais pas. Je n'ai pas demandé c'était quoi la cylindrée. Ouais, tu sais quoi, je vais faire le tour en même temps. Je regarde un petit peu. Savoir s'il y a des POC, des trucs. Normalement, c'est bon, mais... Ah ouais, si. Ouais, effectivement, il y en a quelques-unes. Ah, les voitures de location. T'es content de la voiture, ça y est, ouais. On se casse de Trapani. C'est la première fois que je roule dans une voiture française. Aéroport. C'est une voiture de location. Hein. Voiture française? Bah, Peugeot. Ah oui, oui, c'est vrai. Normal, elles sont bien. Je roule ni en française ni en italienne, moi, c'est bien. Japonaise ou coréenne? Je veux rien savoir. Alors, attends, on va par où ici, bordel? Allez, on se casse. Ouais, ça va faire des beaux paysages. Belle balade, il fait un peu gris aujourd'hui, hein. Mais il pleut pas. Il ne pleut pas. Et on a 21 degrés. On est au mois de novembre, c'est génial. C'est génial. Allez, allez. Oula, je suis déjà. Direction tout. J'ai déjà 100 km/h. Bon, ça, c'est nerveux les Peugeot. Hein? Bah, Marsala. Là, Marsala. Marsala, chez, donc. Chez comment il s'appelle, monsieur? Chez Fausto. Notre Airbnb, notre hôte, c'est Fausto.
Et c'est sa fille qui doit nous accueillir. Donc on va voir ça. J'espère qu'elle a la moitié de son âge. On est bien ici. Bah oui, on est bien. Évidemment qu'on est bien. Et les petits. Hop. Le petit appart. Les petites olives là. On a les olives qui poussent. Et t'avais vu des grenades. Elles sont déjà noires. Ouais, les grenades sont là. Elles sont où? Ah ouais. Bon, elles sont à bouffer par les oiseaux là, mais. Ouais. Eh ben. Bon, c'est cool. On va montrer la maison juste après. Ça marche. Bon. Price the. For the water. For food or water or everything. If you want to buy something here, it's okay. Every shop. Yes. Okay. Yes. Tu pourrais parler un peu italien, yes, c'est. That's just a question. No, I don't understand. No, maybe because sometimes. Sometimes you have a shop. If you want to go to supermarket. Penny market. I don't know if you know it. Penny market. Yeah. Bon, je me rends compte que j'aurais peut-être dû filmer avant qu'on ait terminé. Évidemment. Rien, non, là il n'y a rien à voir, mais heureusement j'ai pris des photos. J'ai pris des photos, je les mettrai juste avant. Alors, monsieur Belfard, dites-moi vos impressions. Très bon. Ouais. Premier pas, on a mangé des fruits de mer, calamar. Tu mélanges du scampi, la salade, aussi des légumes. Ouais, des, pas mal de légumes. Ouais. Des tomates fraîches, il y avait quoi des. Ah, voilà, plein de bonnes choses. Ouais. Donc verdict. Très bon. Verdict, on sent que les. Mais ça, on s'y attendait, mais on sent vraiment que les légumes sont. Il y a plus de goût. Ah oui, en tout oui, cas. Ça c'est clair. Ouais. Et le calamar, bon, sauf qu'on est près de la mer. Et voilà, ça fait plaisir. Quoi. Ouais. Je pense. Allez, quand on est près de la mer. Même dans l'urgence, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on peut trouver et manger du saignalais? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, on peut manger sans gluten, non, avait, sans produits ouais, laitiers. Ce qu'il fallait et manger. C'était le challenge. C'était très bon, quoi. D'ailleurs, je vais montrer un petit peu. Je vais montrer un petit peu le bah, l'étalage, enfin donc tout ce qui était proposé dans dans le bar. Et ouais, c'était tentant, mais ouais, il y a pas Italie, beaucoup. Il y a beaucoup de desserts. Ouais, c'est ça. C'est gluten, c'est des cannoles et tout ça. Ouais. Voilà. Mais il y a toujours moyen de trouver. Voilà, quand on veut, on peut. Qu'on a ici. Bah parfois en Sicile on tombe sur des pistes, surtout quand tu te rapproches de la plage. Heureusement, c'est ce qui s'appelle en bon francophone, ce sont des voies carrossables. Voilà, c'est carrossable, c'est pas facile, mais on peut facilement y accéder quand même. Mais l'idéal serait d'être à 4x4, pas une 208, hein, une 208, voilà, je veux dire à la limite un Duster. Voilà, un Dacia Duster à la rigueur. Mais une 208, ça ne va pas pour des choses comme ça. Mais bon, allez, c'est marrant. C'est les vacances. Et alors, ouais, ben, il fait vachement gris aujourd'hui. Il fait vachement gris. C'est le premier jour. Mais bon, on a le restaurant qui nous a bien remis les idées en place. Voilà, voilà. On a du mal à croire qu'il y a une école de kitesurf. Hein. Ouais, c'est ça. Au bout de cette rue. On se dit plutôt qu'on va arriver, je sais pas, mais. Il y a une école de kitesurf au bout de cette rue. C'est ça, parce que l'objectif vraiment de cette semaine, bon, déjà, c'est de se reposer, hein, ça c'est clair et net, c'est les de vacances. Bien manger. Bien manger, évidemment. Voilà, voilà. Et signaler, hein, en que tout cas, veut dire paléo, bien manger. Que veut dire bien manger? Non, tout c'est est relatif. Vaste question. Mais. De notre point de vue, vous le découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Ouais. Enfin, de toute façon, ceux qui me suivent le savent, parce que c'est pour moi bien manger, mais soit. Et ici, putain, de quoi on parlait? Oui. L'objectif, attendez, en fait, ici, c'est de faire du kite, de découvrir le kitesurf. On est sur les meilleurs spots du monde, ici à Marsala, et ce serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Donc, on va prendre nos informations aujourd'hui. Si jamais c'est ouvert, si pas au moins voir. Apparemment, d'après notre hôte Fausto, il y a 30 écoles de kite différentes ici, rien qu'aux alentours de Marsala, sur la côte est, ici en Sicile. J'en avais que 8 à 10 référencés sur Google, mais donc ça veut dire qu'il en reste 20 autres, quoi. On va voir, on va faire un petit peu notre petit tour. Ouh, heureusement que c'est une voiture de location. On va faire notre petit tour et voir. Ah, on voit déjà les voiles. Ah, voilà. Ah, déjà les voiles. Où ça On y arrive. Attends, Où ça? Je ne trouve pas les boss. Zooms.
Où il a le zoom? Le zoom, c'est, mais c'est sur le là, c'est sur le c'est sous le là. Si tu veux, là. C'est sous le là. Ah, où c'est sous le là, j'ai trouvé. Regarde, regarde les voiles, voilà les voiles. Là. Oh là 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 oh là là là. Siamo arrivati. Bello. Siamo arrivati. La scuola di kitesurf. Bon. Eh bien, on va aller. Bien. On va aller prendre nos infos. Allez, on se rejoint tout de suite. À plus. Yes, coupez, coupez. Bah, kitesurf. From lesson of kitesurf. Pardon? What? Sorry. We are here from 1 week. Yes. Yes, we are totally beginner. Two guys. C'est l'avantage quand tu prends Airbnb, en fait, c'est que t'as quelqu'un qui connaît très bien la région. Apparemment, Fausto va pouvoir nous renseigner. Bon, ici, il nous a rabattu ici parce que on a été au restaurant pas loin. Donc, il a dit, ouais, il y a un spot de kitesurf ici. N'hésite pas à aller te renseigner. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, franchement, je ne m'attendais pas à ce que les prix soient aussi élevés. Enfin, je me doutais bien que ça avait un coût, mais voilà. Je ne pensais pas que c'était 375 euros pour 6 heures de cours. Maintenant, est-ce qu'on a... Bon, évidemment, on a des tronches de touristes. On ne maîtrise pas l'italien. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, il y a des prix préférentiels pour les touristes aussi. Hein. Du coup, bah, on va voir un petit peu. On va demander peut-être à Fausto, justement, quelles sont les écoles de kite qui valent... quand même ça pour 100 euros de moins quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Oh ouais, bah moi je m'attendais. Le prix je m'y attendais, mais maintenant peut-être plus d'heures quand même, tu vois. Ouais ouais voilà, ouais. Genre, c'est ça. Mais 6 heures. Est-ce que. Parce que c'est quand même assez. Mais 2 heures ça va super vite. Hein. Ouais, mais oui, carrément. 2 heures, hein, il va prendre. C'est juste le prendre le matériel. C'est les consignes de sécurité. Bah c'est... oui, ouais, c'est ça. Bah, déjà les 2 premières heures tu les oublies. Peut-être, ouais, je sais pas. Ouais. Après, bon, on verra. On fait... on verra en fonction du temps aussi. Bon, j'ai fait un peu là, de snowboard. On essaye. On a fait du wakeboard, mais là, c'est encore autre chose. Bon, je vais devoir remballer parce que. Ouais, ouais. J'ai pas envie que la caméra mort. Allez, salut, à plus, ouais, les gars. Ouais.